Bonjour chers compatriotes guinéens, mort là ici là l'enfant de Kanya, un fils digne de la Basse Guinée, un fils digne de Kindia Tafori. je salue toute la population de Kindia. Je salue, tout, je salue tous les habitants de Tafori et réellement je suis de cœur avec vous, je suis de cœur avec euh, la population de la Basse Côte qui continue de, de lutter fortement contre le projet de nouvelle constitution. Je suis de cœur avec tout le peuple de Guinée, le combat continue et le combat ne fait que commencer. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes guinéens, je fais cette vidéo, c'est pour vous, le peuple de Guinée, et je l'ai toujours dit, je vais toujours continuer à vous inviter à une résistance farouche. Mercredi soir, nous avons vu Alpha Condé qui a signé un décret en disant que réellement l'ouverture des, des campagnes électorales. Je dis, c'est faux, ça ne va jamais marcher. Les partis politiques qui ont présenté la liste de leurs candidats pour ces élections législatives, si vous êtes réellement des partis politiques, invitez vos candidats à sortir pour battre de campagne pour ces élections législatives. Vous verrez, vous verrez réellement c'est quoi le peuple de Guinée De quoi le peuple de Guinée est capable Et c'est le peuple de Guinée est toujours capable. Je vous dis d'abord, avant, avant d'élargir ou avant de continuer, je ne suis pas en Guinée, bien sûr, je ne suis pas en Guinée. Mais je vous dis, je suis en Guinée. Je ne suis pas en Guinée, mais je suis en Guinée. Je suis sur le terrain. Je ne suis pas ce blogueur qui peut-être qui part s'asseoir de l'autre côté puis maintenant de dire faites ça, faites ça. Je suis en Guinée, je fais de ma manière, je continue le combat. Je suis en Guinée. Je suis en Guinée, je suis en Guinée qu'on a crié. Je ne suis pas en Guinée, mais je suis en Guinée qu'on a crié. Point barre. Et donc, madame, je me chers compatriotes guinéens, ce que je peux vous dire ici, c'est que je, je veux réellement vous marteler, c'est de... Continuez le combat. Et les leaders que vous verrez, les candidats ou les candidates que vous verrez réellement sur les capots de leur véhicule en disant Votez pour moi, je vais faire ceci pour tel, tel quartier, je vais faire ceci pour, cette, pour telle commune ou pour telle préfecture. En Guinée, on n'achète pas les cailloux. On n'achète pas les projectiles. À Kindia, y en a Gogo. À Tafour, y en a à Gogo. À Konakri y en a Gogo. Prenez les cailloux. Et c'est les cailloux qui doivent vous parler. C'est les projectiles qui doivent vous parler, qui doivent vous dire réellement, est-ce que vous devez venir à l'heure-là pour manifester ou pour faire, pour battre campagne pour vous ou pour le RPZ Arc-en-Ciel, qui est un parti ethnique, qui est aujourd'hui un parti depuis dix ans qui continue de nous diviser avec son leader chiffon, avec son leader irresponsable. Alpha Condé est vraiment irresponsable. Alpha Condé est vraiment irresponsable. Alpha Condé n'a pas de foi. Alpha Condé n'a pas de religion. Je vous dis une fois de plus, il y a d'autres qui disaient qu'il y, y a les gens qui me donnent de l'argent pour faire des vidéos pour insulter le président de la République. Moi je n'insulte pas Alpha Condé, j'insulte pas Alpha Condé une fois de plus. Alpha Condé ne fait que mentir. Si le mensonge, le mensonge est une insulte, là réellement allez-y consulter les dictionnaires ou voilà Larousse ou autre dictionnaire qui va réellement vous donner la signification de mentir du mensonge. Une personne qui, qui, ne, qui ne dit pas la vérité, donc raconte des mensonges. Moi, c'est ce que j'ai dit à Alpha Condé. Alpha Condé, il y a, il y a la constitution qui est là, qui stipule que réellement, un mandat renouvelable une seule fois. Et puis c'est fini. Mais Alpha Condé continue de tuer les gens. Il continue d'insulter les gens à travers leur communauté. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas continuer. Et donc, j'ai dit au peuple de Guinée, continue la résistance. J'invite aussi la population de Kindia. Kindia, je suis là, je suis communicant, communicant de l'UFDG, je suis partisan du FNDC, je suis un fils digne de Kindia, je suis un fils digne de Tafori. Je me demande pourquoi jusqu'à présent, jusqu'à là où je vous parle, qu'est-ce que le préfet de Kindia est en train de faire à Kindia aujourd'hui Qu'est-ce que ce faux maire est en train de faire à Kindia aujourd'hui Pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que l'Abbé a fait pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que Pita a fait Pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que Lelouma a fait Ce que Timbi Madina a fait Mais toujours, le combat continue. Je vous ai dit, je suis en Guinée. Je suis en Guinée. Je suis en Guinée, je suis en Guinée et je suis en Guinée. J'invite Dubreka à faire la même chose. La population de Dubreka à chercher le préfet. Si le maire est irresponsable, qui continue de faire la promotion du troisième mandat, il doit être déguerpi sauvagement. Forcaria, la même chose, Koya, la même chose, Bokeh la même chose, Bofa, la même chose. Je suis un fils digne de la basse-côte et je suis fier de toutes les préfectures de la basse-côte Et de continuer le combat, de faire la même chose, de chercher les, les préfets qui sont là à faire la promotion du troisième mandat du professeur Alpha Condé. En tout cas, on en a marre. En tout cas, continuons la résistance. Je l'ai dit une fois de plus, je suis prêt à rejoindre n'importe quel mouvement, que ce soit de mouvements euh, armés ou quoi. Je dis je, je, je dis, je suis responsable de ce que je suis en train de dire. Mais pour empêcher le troisième mandat pour le prochain Alpha Condé, je suis prêt à mener n'importe quelle lutte pour empêcher le troisième mandat en Guinée. Je suis militant de l'IFDG, je suis militant du, du, du FNDC et j'invite le peuple de Guinée à une résistance farouche. Tous les leaders que vous verrez sur leur capot de dire pour sortir, battre campagne, allez-y en Haute-Guinée, restez en Haute-Guinée pour battre campagne là-bas ou continuez à battre campagne dans votre maison, mais pas de sortir. Si, si vous êtes des hommes ou vous êtes des femmes, vous, je, parle, je parle à vous les candidats et candidates, sortez pour battre campagne. C'est votre corps qu'on va aller ramasser là-bas. Je vous dis ça. C'est votre corps qu'on va aller ramasser. Vous allez appeler les policiers, allez ramasser votre corps. Mais aucun candidat ou aucune candidate ne sortira pour battre campagne. Alpha Condé a signé, signé l'ouverture, le décret de l'ouverture de campagne le mercredi soir. Hier dit, on n'a vu personne. Diaricatou, je sais pas, Jari Katu, quoi, Diallo, Diallo qui continue de dire, sortez seulement, vous allez dire. Et surtout, honte à tous les ministres Peul aujourd'hui qui travaillent avec Alpha Condé. Honte à vous, vous les ministres Peul, vous n'avez pas honte. Vous les Peuls qui travaillent avec Alpha Condé, vous n'avez vraiment pas honte. Vous n'avez pas honte. Ils continuent réellement d'assassiner votre communauté, insulter votre communauté. Vous vous, vous flanquez là-bas. Vous vous flanquez là-bas. Ils continuent d'humilier les Peuls. Ils continuent d'assassiner les Peuls. Les citoyens guinéens qui sont peuls sont victimes de l'injustice parce que tout simplement ce sont des peuls qui sont là-bas. Et vous les ministres, vous êtes flanqués là-bas. Vous êtes flanqués là-bas. Vous n'avez vraiment pas honte. Vous n'avez pas honte. Je parle à tous, les, à tous les ministres qui portent les noms peuls, qui sont issus du de, de foutage à long. Vous n'avez pas honte. C'est la maison de votre Khalifa qui, qui a été saccagée. Ba, je ne sais pas quoi. Regardez, un vieux, un saz a été bastonné. Aratoma. Et vous continuez toujours à bocher avec Alpha Condé parce que c'est votre intérêt seulement que vous, vous voyez. Vous n'avez vraiment pas honte. Je m'adresse au ministre Peul. Vous n'avez pas honte. Mais toujours, votre compte sera, sera, et, et, sera réglé, réglé prochainement. En tout cas, le combat continue. Merci à vous. l'enfant Une fois de plus, on continue le combat. On a leader a...

donkare quoi andingol jama on kadja so d'etat kelagini son yi won do wadde campagne jette kadja fi do mo rako mo ha ko yegui ta lawol ko 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 arno don no ça c'est de n'importe quoi merci à vous le combat continue merci ko morale sila l'enfant de cania